J'ai un problème avec Anna Kramling. Oui, j'ai un problème avec Anna Kramling. Parce que depuis récemment, peut-être vous le savez, elle a inventé une ouverture. Et pas n'importe laquelle. Elle l'appelle la Cow Opening. Et c'est quoi la Cow Opening C'est ça, en fait, regardez. Vous mettez vos pions en E2 et en D3. Et ensuite, elle recommande de développer vos cavaliers en Fienketo. Enfin, c'est un petit peu une blague, parce que souvent, c'est le fou. Qu'on développe, vous savez, en Fienketo. Ça, c'est ce qu'on appelle développer un fou en Keto. Et elle, Anna Kramling, elle veut plutôt développer les cavaliers en Keto. Et l'idée de euh, la K Opening, c'est cavalier E2. Puis cavalier D2. Et puis cavalier G3. Et puis, dans l'idée après, vous faites cavalier B3. Et ensuite fou E2. Puis fou d 2. Et après. Petit rock, voilà la Cow Opening. Alors bien sûr, en tant que coach d'échecs, je je ne peux pas laisser passer ça. Carton jaune, <laughs> Anna Kramling. Alors non mais déjà, bravo à elle parce que pour le coup, c'est vrai que cette ouverture n'existe pas. Et aujourd'hui, tout a été créé, donc c'est particulièrement difficile de créer une ouverture aujourd'hui. Elle a réussi cet exploit, bravo à elle. Mais malheureusement, je, je n'aime pas cette ouverture, je ne peux pas la recommander. Et je vais vous montrer ici le souci qu'il y a avec la Kao Opening. Alors elle joue cavalier E2. Développons nos pièces normalement. Bien sûr, nous on prend tout le centre et on prend tout le carré magique. Cavalier D2, fou D6, et elle commence. À mettre son cavalier en Fienketo en G3. En fait, la réfutation de la K opening, c'est pas forcément très compliqué. Je vous recommande pas forcément de jouer petit rock. Je pense qu'il faut tout de suite montrer les inconvénients du cavalier en G3 et c'est via le coup h5 bien sûr avec idée h4 et on va forcer ici ce cavalier g3 à partir d'ailleurs c'est une idée à retenir dans beaucoup d'ouvertures par exemple dans l'est indienne variante semiche je vais pas forcément vous montrer la ligne mais dans cette ouverture assez connue, les blancs ont souvent un cavalier en G3. Et justement, avec les noirs, on fait souvent H5H4 pour forcer ce cavalier à partir. Dans la défense française, variante d'avance, vous avez aussi pareil. En, par symétrie, les noirs ont souvent un cahier en G6. Et on joue H4H5 pour chasser le cavalier G6. C'est donc extrêmement thématique et c'est le problème principal de la K-opening. Je menace ici... H4 au prochain coup. Et si vous jouez Fou 2, bah je joue H4 et le cavalier malheureusement est obligé de rentrer à la maison en F1 et c'est assez horrible. Pourquoi Parce que du coup les pièces blanches sont extrêmement serrées entre elles et le roi ne peut pas être mis en sécurité avec Petit Rock. Le risque aussi c'est que je puisse jouer H3. Après je vais venir prendre en G2 ce qui va totalement disloquer la structure de pion des blancs. Et si vous jouez G3, malheureusement, les cases blanches ici sont extrêmement faibles. Alors du coup, vous pourriez me dire, « Oui, mais Julien, euh, sur H5, je peux jouer à H4, et tu ne pourras plus jamais jouer H4 toi-même. » Le souci ici, c'est par exemple un coup comme E4. Et de par la disparition du pion H2, euh, qui ne défend plus le cavalier, mais qui est en H4, eh bien, le cahier G3 est extrêmement faible. Et là, vous avez par exemple, fou prenez G3, et puis, vous voyez les blancs qui ont été obligés de prendre du pion F. Et du coup, ici, euh, la structure de pion qui est très, très, très mauvaise côté blanc. Et le roi, on ne sait pas trop où le mettre en sécurité. Alors du coup, pour essayer de faire revivre cette ouverture, peut-être qu'on peut se dire... Ne mettons pas tout de suite le cavalier en G3, peut-être jouons cavalier B3. Comme ça on va mettre l'autre cavalier en Fienketo d'abord. Le souci, c'est fou E6. Et en fait, la problématique est un peu la même, c'est-à-dire que si maintenant vous jouez g 3 bah j'ai toujours ce H5 avec les mêmes idées. Et du coup, si vous jouez pas à Kg3, mais comment vous développez le fou en f1 et comment vous mettez en sécurité le roi blanc Alors peut-être qu'on peut se dire qu'on peut chercher à le mettre en, euh, en sécurité via le grand roc, via fou d2, pour commencer à libérer les pièces et faire grand roc. Mais là, le souci, c'est comment on trouve une case pour la dame en D1. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu le souci principal de la K-Opening qui, lorsque je l'ai vu pour la première fois, m'a quand même séduit. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, on n'a jamais vu ce dispositif aux échecs. Mais malheureusement, il y a ces poussées thématiques à 5H4 ou à 5A4 qui viennent extrêmement gêner les cavaliers G3 ou les cavaliers B3. Après, ce que j'aime par contre beaucoup dans la K-Opening, c'est ce qu'on ce qu appelle une, que c'est une ouverture système. Une ouverture système, c'est une ouverture où vous jouez plus ou moins les mêmes coups, peu, peu importe ce que l'adversaire la, fait en face. Bien sûr, vous connaissez sans doute, par exemple, le système de Londres. On joue souvent les mêmes coups. Vous voyez cela avec les blancs, peu importe ce que font ici les noirs en face. Les ouvertures système, c'est très pratique, notamment en blitz, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup à réfléchir et vous mettez tout de suite la pression au temps sur au niveau de l'adversaire. Et l'adversaire, souvent, il n'aime pas euh, subir une ouverture système parce qu'il a l'impression qu'on lui resserre la même chose tout le temps et il ne sait pas forcément quoi faire contre ça. C'est ça que j'aime bien dans la KO opening et en fait la KO opening, elle me fait beaucoup penser à l'hippopotame. L'hippopotame, ça ressemble beaucoup. En fait, on a aussi les pions, vous savez, euh, en d2 et en e3, sauf que la différence euh, entre l'hippopotame et la K opening, c'est que c'est qu'on met les fous en fianchetto, vous voyez comme ça et on laisse les cavaliers en d2 et en e2. Là, l'hippopotame, c'est déjà pas mal, parce que pourquoi J'ai remarqué qu'en pratique, et beaucoup de joueurs amateurs me l'ont dit, c'est que quand en face, le joueur fait l'hippopotame, bah nous, avec les noirs... On est un petit peu paniqué parce qu'on voit l'autre qui joue automatiquement tous ses coups. C'est un peu énervant quand même. Et nous, avec les noirs, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'y vais tout de suite ou pas tout de suite Et souvent, on a envie de punir l'adversaire parce qu'on a l'impression qu'il ne respecte pas les grands principes de l'ouverture. Et finalement, on s'enflamme, on lance l'attaque un peu trop tôt et finalement, on se fait... Contré. Et donc là vous voyez par exemple c'est typiquement ce qui arrive dans l'hippopotame on joue ensuite H3 puis G4 et puis on met le cavalier en G3 on est vraiment comme une sorte de um, quelque chose qui est mouvant et qui s'adapte à l'adversaire côté noir et c'est souvent très très énervant et finalement ma recommandation c'est ça c'est que contre la K-opening, il faut pas chercher la réfutation tout de suite. Il faut pas tout de suite se dire Allez on y va, je vais lancer E4 et essayer de réfuter la K-opening. Vous voyez la barque devient toute blanche. Parce que tout simplement il y a prise, prise, et après on est déroqué. Après Dame prend des 8. Non, contre la K-Opening, je vous recommande de développer tranquillement vos pièces et après vous jouez. H5, H4, pour déloger... Dès que, le, dès que le cavalier arrive en G3, vous jouez H5, H4 pour le déloger. Et dès que le cavalier arrive en B3, vous jouez A5, euh, A4 pour le déloger. Bon, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous trouvez cette ouverture euh, <laughs> en ligne contre un autre adversaire, un autre euh, fan de Anna Kramling. En tout cas, quand même, bravo à elle, bien sûr, c'est un petit peu pour la blague, mais... Bravo elle, elle a quand même inventé une ouverture, ce qui est quand même super dur parce que tout existe aujourd'hui. Moi aussi j'ai essayé de créer mon ouverture, mais j'ai l'impression que tout a déjà été créé, c'est extrêmement difficile. En tout cas, vous avez l'arme anti opening. Et puis, si vous voulez suivre mes autres aventures, c'est les autres réseaux. Peut-être suivez-moi sur Instagram, je mets régulièrement euh, des stories et des posts sur un petit peu les coulisses euh, de mes tournois, etc. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez me suivre sur Instagram. Et sinon, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao